Donc aujourd'hui, on va regarder l'algorithme YouTube. J'ai réussi à craquer l'algorithme. Quand je te dis ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai réussi à faire 0 à 3000, 30 000, 100 000 abonnés d'un coup? Non, ce n'est pas possible. Déjà, il faut beaucoup de travail pour ça. On va voir ça ensemble tout de suite. Quand je te dis que j'ai réussi à craquer, on va se rendre sur ma chaîne. Hop, notre channel. Donc je te montre tout, hein. Il n'y a pas de secret. On va aller voir mes vidéos. Donc là, je suis à 800, voilà, 850 abonnés. Et ce que j'ai fait, c'est les formats court terme. Voilà, j'ai fait les formats court terme. Alors, est-ce que je vais pouvoir les voir comme ça? Je vais aller dans le manage, je pense que ce sera mieux. En fait, les formats court terme sont ultra référencés par YouTube. Donc, ça aussi, voilà, c'est les shorts, hein, moi j'appelle ça des courts. Ça, c'était pour qu'on comprenne mieux. Mais en fait, ça va être super référencé par YouTube. Voilà, si tu es nouveau, j'ai posté ça hier sur le groupe Telegram. On voit que là, il y a du contenu qui est posté jusqu'au 14 avril. Donc, t'inquiète pas, il y a du contenu qui va arriver. On voit donc que les shorts sont super poussés dans l'algorithme de YouTube. Quand moi, tout à l'heure, je te disais que j'avais 850 abonnés, j'ai ma plus grosse vidéo, je crois, elle a fait 18-19 000 vues à ce jour. Les autres vidéos, voilà, elles tournent aux alentours, j'ai du 40, j'ai du 12, 70, j'en ai qui ont 2 vues, 0, enfin voilà, dans 0, elles sont pas encore vues. J'ai du centre eux, 50 et 200 vues, on va dire, pour équilibrer. Le reste, après, voilà, j'en ai une qui, vraiment, qui a poussé à 20 000. Sinon, c'est ça, centre eux, 40 et 200 vues. La force des shorts, donc c'est, on va regarder après, on va essayer d'en faire, c'est vraiment un court terme. Ici, j'en ai fait un pour parler de la Fed, donc c'était l'annonce de la bourse. 10 secondes, je fais mon short. 157 vues. Celui-là, c'était le premier que j'ai fait. D'ailleurs, j'en ai fait un. Celui-là, il n'a pas marché. Alors, d'ailleurs, on regardera pourquoi. Où j'ai présenté 3 livres. J'en ai fait un, 8 vues. D'accord? Celui-là, il n'a pas du tout marché. J'en ai fait un autre, envoyer des réponses automatiques sur Instagram. Alors, ça, non, ça, je crois que c'était une vidéo, pardon. Excuse-moi. Là, j'en ai fait un autre. 9 secondes. Celui-là, on va le regarder après. Où, du coup, je présente une astuce, comment faire de l'argent. 620 vues. Donc ça, du coup, celle-là, elle se classe en deuxième vidéo, pour l'instant, la plus vue de ma chaîne. Alors que c'est un short 9 secondes. Donc, ça a ramené beaucoup de monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont découvert la chaîne comme ça. Et du coup, les abonnements, du coup, sur la chaîne aussi, on pump d'un coup. J'ai eu 22 likes. Il y a 95% des personnes voilà, qui ont like. Et on voit, alors, je ne sais pas si je peux le voir là. Je ne le vois pas ici, on le voit dans les options quand on y va. Il y a les personnes du coup qui sont restées dans le watch time plus de 90% du temps. C'est juste incroyable ça pour le référencement de la chaîne. Celui-ci c'est une vidéo normale. Ça aussi, pardon. Et je crois que j'en avais fait un dernier que je ne retrouve pas. Ça c'est des vidéos normales. Rédiger un article. Et si celui-là, bah ça je crois que c'en est un. Non je sais plus. Je vais pas dire de bêtises. Non ça c'en était un et celui-là il a fait 22 vues, voilà, celui-là était pas énorme. 22 vues, c'était un jeu, et voilà, un commentaire. Donc c'est vraiment pour celui-là que je voulais aussi faire cette vidéo. On va le regarder. Il fait 9 secondes, 620 vues. Au-dessus, je vais couper le son, hop. Dessus, voilà, tu es mineur. Sur ce compte, on partage des tas d'astuces, façon légale, rapide, hop. On met un texte, c'est efficace, et ça dure 10 secondes. Donc je montre comment faire. Je mets un texte. Ici, j'ai même pas mis de description. Et en fait, les personnes, quand elles vont être sur leur téléphone, elles vont scroll les shorts, elles vont tomber dessus, elles vont bloquer comme ça pendant 10 secondes. Et en fait, on voit que les analyses, elles sont enfin, par d'elles-mêmes, quoi. Premier jour, rien. Milieu du premier jour, hop, il a déjà fait 330 vues. Deuxième jour, il y a encore un saut à 600 vues. Et là, il monte tranquillement, des fois il en fait 620, et là il est en train de stagner. Après maintenant, je pense que l'algorithme a fini de le mettre en avant. Mais du coup, c'est, et voilà, average pourcentage, 99%. Donc on voit que les personnes, elles restent, par rapport à une vidéo YouTube qui dure entre 10, 5 et 10 minutes, où les personnes, au bout de 3 minutes, déjà, elles commencent à partir. Donc le short, il est super puissant pour ça.
Engagement, donc ça c'est le watch time. Là-dessus, on voit vraiment tout. Après, donc on voit les personnes qui sont abonnées, qui sont pas abonnées. Donc ça, c'est autre chose. Là-dessus, il y a l'audience. C'est là-dessus, tout à l'heure, voilà. C'est là-dessus, tout à l'heure, je vous disais que bah, il y a encore beaucoup de personnes qui n'étaient pas abonnées. 98% des personnes qui regardent des vidéos, elles ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc, on n'hésite pas à s'abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà pour celui-là. Celui-là, il a vraiment explosé par rapport à ma chaîne, attention. Par rapport à ma chaîne, alors que, comme d'autres, si je prends là les livres, ici je présentais trois livres. Hop. Oh, attends, c'est mal mis. Ah non, c'est normal, je crois. Là, j'ai fait un truc TikTok, hop, petit montage et tout. J'ai essayé de présenter les livres, Miracle Morning, Père riche, père pauvre. Voilà, en expliquant, et toi, quel livre tu préfères et tout ça. Celui-là, il n'a pas été mis en avant. Alors, est-ce que c'est un problème de description, problème de hashtag, problème de titre? Je sais pas. Celui-là, il n'a pas été forcément mis en avant. Si là, je vais dans les analyses, je vois que voilà, celui-là, il a eu 8 vues. Au début, 0, 3, après, il a monté à 4, et là, très très calme. Celui-là, il n'a pas fait grand-chose. Donc, j'ai essayé de faire partir sur cette nouvelle nouveau module du coup de YouTube hein, qui est quand même pas si nouveau que ça et qui en fait est vachement mis en avant par YouTube parce que voilà nouveau format il pousse les utilisateurs à utiliser ce format-là donc du coup et eh ben comme il pousse et eh ben chaque nouvelle vidéo sur ce format ben, en fait est extrêmement mise en avant. Alors que voilà, on voit moi une vidéo normale, il ne la met pas du tout en avant, en fait, elle est noyée dans la masse. Une vidéo normale comme celle-ci, voilà, je fais 8 vues, je fais 105, je fais 40, je fais, je sais pas si je vais plus loin, des vidéos un peu plus vieilles, quoi. Je fais 25. Ah voilà, celui-là, non, pardon. Celui-là, c'était mon premier short. Celui-là, j'ai fait 499 vues. Ou alors, sinon, une vidéo normale, voilà, j'ai 127, j'ai 20, j'ai 250. Voilà, donc. Et premier short, celui-là c'était vraiment le premier short que je fais. Donc en fait je disais que je lançais une chaîne sur TikTok, enfin, je ferai une vidéo dessus. Premier short, hop, je dis que j'ouvre un compte TikTok. Et là du coup, il me fait un 500 vues d'un coup. Et l'algorithme en fait au début tac tac rien et d'un coup paf, d'un coup vraiment il explose, on monte d'un coup à 500, à 470. Puis après, là, bon, après, il est lent, il fait un peu sa vie. Et on voit que voilà, cette vidéo m'a ramené un abonné, par exemple. Donc, un abonné, on me dira, c'est rien. Et un abonné, la vidéo, elle fait 10 secondes. Elle demande beaucoup moins de travail que la vidéo que je suis en train de faire là, à présenter ça, et beaucoup, surtout beaucoup moins de temps. Donc, après, c'est aussi les premières. Donc, c'est des vidéos que j'ai faites, voilà, celle-là, elle est vraiment faite à l'arrache. Hein. Celle-là, j'ai regardé mon écran. Et je l'ai filmé comme ça, quoi. Je vais fermer ça. Et j'ai filmé comme ça mon écran pendant 10 secondes. Et je l'ai publié, j'ai même pas posé de questions, j'ai fait une vieille description. Voilà. Il y en a qui sont beaucoup plus travaillés. Et du coup, voilà, comme l'autre, 620. Et puis après, ça fait que monter tous les jours. Et ça peut ramener aussi des abonnés. Donc voilà, le format short de YouTube te pousse vraiment à t'y mettre parce que du coup, il est extrêmement poussé par la plateforme. Maintenant, on peut regarder ce que font du coup ce que font les autres. Si on regarde un petit peu les personnes à qui là, je suis abonné, je vais voir. Voilà, par exemple, Yumi Denzel. Ici, si on regarde là, donc il a ses vidéos, on voit qu'il a 542 000 abonnés. On regarde ses vidéos. Hop. Et là, si on descend, voilà, c'est ça. Donc ces vidéos, elles ont 22, 31, 67, 30 000, 27. Bon là c'est les plus grosses, là c'est les meilleures vidéos. Là c'était à 128, 120, 120, 120, 30, 30, 33, 45. Voilà on va dire, je sais pas, elles ont... Il y en a beaucoup à 30, il y en a à 100 000. Ouais, on va dire qu'elles ont 50, 60 000 vues ces vidéos. Il a 540 000. Et là c'est short. Top 3 des choses à faire quand on a 18 ans. Il fait un short de... Top 3 des choses à faire quand t'as 18 ans. D'accord, En ça change pas premier, du tout. créer sa vision. C'est la raison.
top 3 des choses à faire quand t'as 18 ans. En premier, créer sa vision. C'est la raison pour laquelle tu veux... On va réfléchir ça. Top 3 des choses à faire quand on a 18 ans. Top 3 des choses à faire quand t'as 18 ans. D'accord, ça marche pas du tout. Ok. Top 3 des choses à faire. Bah yes. Deux secondes, on va refaire, on va la refaire. Alors, j'étais sur Yumin Excel. Hop, 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 on va juste regarder. Donc, du coup, chose à faire, celui-là, il a fait 4200 vues. Pourquoi j'adore la critique? 4900 vues. Changer de mindset, 10 000 vues. Millionnaire avant la retraite, 30 000 vues. Donc là, autant qu'une de ces vidéos. Le déclic qui peut changer la vie d'entrepreneur, 28 000 vues. Donc en fait, voilà, on voit que celui-là, les shorts, lui, il fait autant qu'une vidéo, entre guillemets, normal. Il doit avoir beaucoup moins de travail sur ses shorts que sur une vidéo de 10 minutes, de 15 minutes, voilà, comme il a d'habitude. Donc là-dessus, c'est vraiment énorme. Si je vais sur... Alors je vais les faire un petit peu au hasard, je ne les ai pas forcément regardés. Voilà, lui, c'est pareil. Gagner de l'argent, Profit Skills, et ben pareil, il a des shorts, 39 000 vues. Il a 349 000 abonnés. C'est-à-dire qu'il y a quand même 10% de ses. 10%, pardon, des viewers qui ont regardé un short. Alors que d'habitude, il fait 10 000, 14 000, 15 000, 20 000 et 6 000. Voilà. Donc le short, voilà, enfin, c'est ce que je dis depuis le début, mais est vraiment, vraiment poussé, mis en avant par, par la plateforme. Je voulais trouver, voilà, Gary Vee. Donc Gary Vee, si tu connais pas, grand entrepreneur américain. 3,7 millions subscribers. Donc là, 86 000. Là, 280, 41, 412 000. Et lui, il fait des shorts. Voilà, 20 000, 48 000, 270 000 sur ce short. 175 000 sur ce short. Et voilà. Donc voilà, je t'invite vraiment à prendre en compte ce format. Rien de plus facile. Alors sur l'ordinateur, je crois pas. Voilà, sur l'ordinateur, on peut pas les faire. Sur le téléphone, du coup, t'as juste à faire plus, comme publier, créer un short. Et derrière, bah, tu peux voilà, faire ta vidéo, importer une vidéo, tu mets ta description, tu peux la programmer. Et derrière, bah, c'est vraiment l'algorithme qui va aussi le pousser en fonction des interactions de la communauté. Voilà, j'espère que du coup, bah, ça t'a plu, cette petite mise au point sur l'algorithme YouTube, parce que moi, c'est vraiment quelque chose que je suis en train de pousser au max, parce que voilà, il y a vraiment un potentiel énorme à faire là-dessus. J'espère que ça te plaît, n'hésite pas à me dire en commentaire, n'hésite pas merci à t'abonner, à rejoindre tous les réseaux, tu as aussi dans la description Revenu Éternel. Je te dis à bientôt. Ciao.